L'agression d'Alain Finkielkraut lors d'une manifestation de gilets jaunes a donné lieu à un torrent irrépressible de déclarations à temps et à contretemps sur le pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment de la réapparition de l'antisémitisme dans le débat public. Beaucoup de bonne conscience, comme toujours. On sait bien qu'il y a des indignations autorisées, les persécutions contre les juifs ou les musulmans par exemple, et celles qui n'ont aucun droit à l'existence médiatique, les persécutions antichrétiennes par exemple. Beaucoup d'aveuglement aussi. Il ne faut surtout pas dire que le regain d'antisémitisme dont souffre aujourd'hui la France ne doit pas grand-chose à la résurgence de bataillons néo-nazis en armes, mais trouve évidemment un terreau privilégié dans un islam surmobilisé. La palme de la bonne conscience et de l'aveuglement conjugué revient sans aucun doute possible à Bernard-Henri Lévy, le prince des barricades à la chemise immaculée, qui sort l'artillerie lourde. Les Gilets jaunes, cela va de l'affaire Dreyfus à Jacques Doriot. Bigre. À l'écouter, l'antisémitisme serait même consubstantiel au mouvement. Que dire devant tant de mépris de classe, d'incompétence politique ou de bêtises abyssales au choix Monsieur Bernard-Henri Lévy ne comprend rien à un mouvement du pays profond qui le dépasse très largement dans ses motivations et ses aspirations, et du coup, il lâche son fiel sans le moindre embarras, bien certain de ne jamais être sanctionné pour sa prodigieuse stupidité. D'ailleurs, le monde s'engouffre dans la brèche et nous explique que l'antisémitisme, c'est la face cachée, je le cite, des Gilets jaunes. Décidément, nos élites intellectuelles sont à l'intelligence, ce qu'Attila fut à la douceur de vivre. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.